Là, j'ai décidé de vous faire la petite vidéo sur le jean 1083. Donc, je vais vous présenter un petit peu le livre et puis je vais vous présenter aussi la façon dont je pose mes pièces sur le patron, vite fait. Voilà. Je vais vous montrer quelques petits montages de temps en temps, quelques petites vidéos de ce que je fais. Le plus gros, je le ferai hors caméra parce que j'ai pas trop l'habitude de filmer en même temps et puis en étant toute seule, c'est pas toujours pratique. Et puis de toute façon, c'est pas une vidéo tuto, c'est juste pour vous expliquer des fois un peu les points que j'ai décidé de faire. J'ai choisi le numéro 254, le modèle 254 que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai choisi celui-ci. Voilà, alors c'est un jean slim, fuselé. Alors, ce qui veut dire qu'il ne colle pas vraiment très très fort au mollet. Vous le verrez dans les photos à la fin, les photos finales. Je pense que tout va bien. Enfin, moi qui n'aime pas trop être serré au niveau des mollets, moi je le trouve confortable sur ce point-là. J'ai fait le modèle donc 254, je vous l'ai déjà dit. J'ai fait la taille 44. Donc, par rapport à mon peppermint de la dernière fois, j'ai décidé de faire la taille 44 parce que suivant les tables des mesures, enfin, moi, il n'y a rien qui correspond jamais à rien. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais faire la taille 44. Une fois que le jean a été fait sans la ceinture, je l'ai passé pour voir si tout allait bien. D'ailleurs, les marges de couture avec le 1083 sont quand même assez grandes et sont de 1,2, je crois, sur les côtés. Donc, il y a quand même un petit peu de marge pour si jamais c'était trop serré. Voilà. Après, je vais vous présenter le livre. Un petit peu. Je pense que vous l'avez déjà vu peut-être dans d'autres podcast chez d'autres youtubeuses. Là, je vais vous le présenter très vite fait. Le reproche que j'ai peut-être à faire, c'est la planche de patron qui, à mon sens, n'est pas très claire. Après, j'avais regardé un podcast de Yaka Coudre, pardon, Nathalie, qui l'avait déjà fait et elle avait expliqué comment tracer le patron par rapport sur la planche. Et du coup, je ne me suis pas fait avoir puisque j'avais déjà eu les explications. J'ai même pas eu à chercher le pourquoi du comment puisque j'ai suivi de tête ce que Nathalie avait remarqué d'elle-même. Voilà. Donc, le livre, vous le connaissez, hein, il se compose d'une préface, d'un sommaire, de l'histoire du jean, hein. Il raconte un peu pourquoi la toile de Nîmes est devenue une matière noble ou pas. Ils font un peu l'expertise du jean, hein. Ils expliquent un peu les coupes, les trois composantes des coupes, la taille, la cuisse, la jambe, etc. Un petit dictionnaire du jean. Ensuite, il passe directement à coudre un jean. Donc, il nous prépare très bien à tout ce qu'il faut faire en prime abord, préparer son matériel, sa mercerie, etc. Alors, moi, pour le fait, je vais vous dire, ma mercerie, j'ai pris du Cutterman, mais du Cutterman ordinaire pour que ce soit les coutures, comme les surpiqûres. Les surpiqûres, j'ai utilisé ma jack A5WE que je viens d'avoir. Impeccable, elle a passé les épaisseurs impeccables. Donc,
J'ai utilisé ma Bernina B335 et pour les surjets, j'ai ma surjeteuse. J'en ai deux hein, en ce moment. Il y en a une qui descendra sans doute à Barcarès, mais pour l'instant, j'ai toujours les deux. Celle que j'ai utilisée pour le jean, c'est la Brother 4234D. Voilà. Pour le matériel. Ensuite, c'est vrai que je voudrais vous présenter quand même quelque chose de super. C'est que en achetant ma dernière machine, c'est-à-dire la piqueuse droite, on m'a fait un cadeau. La maison Stecker m'a fait un cadeau d'un ciseau de la marque Jack. Et franchement, il est super. Que ce soit pour coudre, pour découper. Ah, c'est mieux, un ciseau. Pour découper du tissu épais comme le jean, ou alors un tissu fin ou un jersey, c'est un régal. Si jamais vous ne connaissez pas la marque Jack dans les ciseaux, eh bien, je vous le conseille, c'est vraiment un régal. Là, je ne pourrais pas vous dire le prix parce que c'est un cadeau en même temps que j'ai acheté la machine, la piqueuse droite. Voilà, je vais vous montrer un peu les planches de patron. Vous voyez, c'est un peu la galère, moi je trouve. Alors là, c'est que je prends peut-être pas la bonne. Je vais peut-être vous montrer, je sais plus c'était sur laquelle, la A, je crois. Je ne sais plus sur laquelle que c'était. Ou la D, je ne sais plus. Alors, en tout, il y en a trois. Hein. Il y a trois planches de patron où il y a du recto verso. Excusez pour le bruit. J'essaye de vous retrouver un peu. Le mien, qui est là, je pense. Moi, c'était du bleu. Je vais peut-être décrocher ou alors essayer de vous pencher un peu pour que vous voyez mieux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vous ai penché un petit peu, vous voyez. Ici commence ben là, en l'occurrence, c'était le devant. Hein, ça commence, c'est assez grand quand même. Hein, ça commence comme ça, en bleu, ici. Ça va jusque-là, ça s'arrête ici. Ici, nous avons une autre partie qui vient se recoller sur la fin de la jambe. C'est le reste de la jambe. Vous voyez, il n'y a pas eu assez de place. Je pense que s'ils avaient rajouté une trentaine de centimètres, il y aurait eu assez de place pour mettre toute la jambe. Je trouve ça dommage quand même pour une trentaine de centimètres d'être obligé de se reporter sur un autre morceau. Enfin bref, c'est pas pratique. Voilà. Après, au niveau des nominations de pièces, etc., c'est très petit. C'est au milieu de la pièce. Moi, je trouve que c'est pas très clair non plus. Moi, je préfère quand les pièces sont numérotées sur les lignes. Comme ça, on se repère mieux, si vous voulez. Voilà. Je pense que le point négatif de 1083, c'est cette planche de patron, enfin ces planches, puisqu'il y en a trois, de patron qui ne sont pas très très claires. Il faut quand même avoir un œil averti pour dire de se retrouver dans ce petit. C'est pas une autoroute, hein, mais c'est quand même une voie rapide, moi je dis. Voilà.
Voilà, donc ensuite, et bien après, vous avez donc la gamme de montage pour les jeans, alors les différents jeans, et après, c'est la gamme de montage pour faire le jean, qui est très bien expliqué, il y a beaucoup de photos, hein, il y a beaucoup de photos, et avec l'aide des vidéos 1083 sur YouTube, eh bien écoutez, c'est quand même un exercice, bien sûr, qui demande de la précision, de la dextérité, mais je pense que tout le monde peut arriver à faire son jean. Voilà, maintenant je vais commencer le jean. Je vous montrerai un peu où j'en suis dans ma démarche, mais je ne vais pas vous faire un tuto complet. Alors voilà. J'ai découpé toutes mes pièces de patron. Je les ai positionnées sur mon jean que j'ai préalablement lavé, bien sûr. Donc juste pour vous montrer que toutes les pièces de patron tiennent dans à peu près 135 cm. Il n'y a pas les fonds de poche, hein. Les fonds de poche se font dans un coton. À part, donc on a sinon tout, la bande de passant, la ceinture que j'ai mis, que j'ai pliée en deux, parce que dans le patron elle est faite en un seul morceau, moi je l'ai pliée en deux pour la mettre au pli, les contre-poches, la rehausse, le soupon, le devant et le dos et la poche de derrière. Alors, avec le pont, j'ai fait comme Emma fait. Il y avait un petit cran là de montage ici, ici. Donc, je l'ai fait coïncider. Il marquait qu'il y avait, je sais plus, 1,4 cm de marge de couture. Donc j'ai fait un trait à 1,4 cm que je suis venue mettre sur le devant. Voilà, comme ça, je vais faire la méthode de Emma. Enfin, c'est pas trop sa méthode, je vous remettrai le nom de la méthode exactement dans la description. Voilà. Donc voilà, j'en suis là. J'ai suivi donc le 1083 et je me délecte des vidéos qui sont accompagnées de ce livre. Vous avez sur YouTube la chaîne 1083 et dedans, elle vous explique comment monter les poches arrière, comment monter les poches avant, la poche cavalière sur le devant. Donc je ne vais pas vous montrer tout ça parce que franchement, c'est des vidéos qui sont hyper bien faites, hyper claires. Elle a des pièces d'études, elle vous montre les projets terminés et elle vous explique en même temps sur un autre projet d'études. Donc je trouve que c'est super bien fait, donc je ne vais pas spolier son travail. Allez voir leur chaîne, c'est vraiment formidable. Donc j'ai suivi tous les codes du 1083 jusqu'à leur décoration aussi, c'est-à-dire leur décoration, les surlignures, les surpiqûres, pardon, les surpiqûres, voilà, le petit trait rouge. Alors je vous montre déjà là, vous voyez, ça c'est une poche plaquée dos. Donc elle est terminée, hein. J'ai mis les deux petits rivets. Donc ça, les rivets, ils nous disent que c'est un peu
comme on veut, hein, c'est à la volonté des personnes. Après, eux, ils tracent une ligne rouge transversale sur la poche. Alors, si je me souviens bien, c'est l'explication de là, ils sont, je crois qu'ils sont à Saint-Nazaire, si j'ai bien retenu ma leçon. Ils sont à Saint-Nazaire et ils traversent toute la France et c'est Menton. Voilà, c'est pour montrer la plus grande distance qu'il y a en France entre Saint-Nazaire et la plus grande distance, là, en l'occurrence, c'est Menton. Donc voilà à quoi représentent leurs petits traits rouges sur leur poche de jean arrière. Donc j'ai fait les deux poches, j'ai fait les poches cavalières aussi. Alors les poches cavalières sont un petit peu spécifiques, c'est-à-dire que quand j'ai fait le jean avec le jean Sunshine avec Emma, la poche cavalière c'était deux morceaux qu'on venait rapporter et puis pour les fonds de poche en tout cas, et puis on venait coudre tout autour au surjet, à la surjeteuse, à la machine à coudre, enfin bref, on assemblait. Là c'est une pièce, vous voyez, d'un seul tenant qu'on viendra replier comme ça sur elle-même. On fait des coutures anglaises pour que ce soit bien propre en dessous et au-dessus, hein. Elle nous explique vraiment bien ça. Donc je vais vous montrer, là j'ai terminé les devants. Donc j'ai terminé les devants. Ici, vous voyez, donc la poche cavalière est placée avec mes deux surpiqûres que je trouve impeccables. Hein, je ne sais pas ce que vous en dites, mais elles sont impeccables. Et puis, donc l'arrière, ça se passe comme ça. Donc, vous voyez, là, c'est d'un seul tenant. On ajuste la piqûre du bas du fond de poche qui est fait en couture anglaise, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, eh bien, on voit rien du tout non plus. Voilà, c'est une couture qui est solide parce qu'elle explique que les poches, on met beaucoup de choses dedans, les clés, etc. Et que ça serait dommage de faire un si beau jean sans avoir des poches bien solides. Un trou au fond des poches, c'est pas terrible. Donc voilà, comme ça. Donc elle nous explique bien comment poser le fond de poche sur le. Elle nous explique comment mettre le fond de poche sur la contre-poche en jean. Hein, c'est ça, la contre-poche ici, hein, qui vient terminer le devant du jean. La seule différence. Et puis je regrette un petit peu parce que j'ai coupé sans trop regarder les vidéos, j'ai coupé mes morceaux et j'avais décidé de premier abord de faire la braguette comme Emma, qui est très bien, hein, donc de rajouter le pont au morceau de devant, donc ce que j'ai fait. Par contre, j'ai quand même regardé la vidéo de 1083 qui explique comment monter une braguette et franchement, c'est très clair. Alors, je ne sais pas si ça va mieux. C'est plus technique, forcément. Enfin, forcément, non. C'est une autre technique. Je pourrais plus dire comme ça. C'est une autre technique qui m'a l'air accessible par rapport à la façon dont c'est expliqué. On est pris en main du début à la fin et je pense qu'on peut arriver aussi à monter cette braguette de cette façon. Bon, je l'ai regardé. Je pense que si je referais un autre jean, je prendrais cette méthode-là pour essayer, pour apprendre, parce que moi j'aime bien apprendre aussi. Là, dans mon élan, j'ai coupé comme Emma le fait et je vais suivre comme Emma le fait. Sinon, le reste, je vais essayer de suivre les vidéos de 1083. Donc, j'en suis là. Mes poches sont montées et j'ai quand même surfilé toutes mes pièces dos et devant de prime abord pour être tranquille ensuite. J'en suis là, je continue et je vous reprends. Bon, je vous reprends le lendemain. J'ai presque terminé le jean. Je vous montre.
Alors j'ai plus que la boutonnière et puis le bouton à mettre. Sinon tout est fait. Et puis le bord du pantalon qui n'est pas fait non plus. Donc les conclusions de ce pantalon. Je suis contente parce que j'ai appris des techniques avec 1083. J'ai appris à faire des coutures en cornet. Donc j'ai fait une couture en cornet à la rehausse, ici, et à l'entrejambe. Voilà, enfin toute la jambe et l'entrejambe sont faits en couture en cornet. J'ai pas eu de difficultés particulières, c'est vraiment très bien expliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire? Où j'ai eu un peu de difficultés, c'est peut-être à la ceinture. Elle s'est pas très bien placée et encore là maintenant, je vois que j'ai des petites erreurs. Ça n'a pas été pris dans la couture. Par exemple ici. Vous voyez, ça n'a pas été pris. Donc, il va falloir que je bidouille un petit truc là. Dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la fermeture éclair. Je l'ai recommencé deux fois. Pourquoi? Parce que j'avais mis le curseur trop haut. Donc, j'avais pas assez de tissu pour placer ma ceinture ensuite, donc j'ai recommencé, je l'ai refait une deuxième fois. C'est pas grave, hein, ça apprend. Mes surpiqûres sont belles, je suis contente de mes surpiqûres. Regardez, toutes mes surpiqûres sont belles, régulières, je trouve. Voilà, surpiqûre là sur le côté aussi, jusque au bout de la poche, un peu comme le Sunshine. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que je préfère le Sunshine dans le confort. Le numéro, alors là, c'est le numéro 254 de l'atelier du jean, hein, le numéro 254, c'est celui-là. Donc c'est un slim fuselé. Alors il ne serre pas très très fort au niveau du mollet de la cheville, c'est bien. Par contre, je l'avais choisi aussi parce que c'était marqué taille haute. Moi j'appelle pas ça une taille haute, ça arrive légèrement. Très légèrement en dessous du nombril ou vraiment au nombril, donc pour moi c'est pas une taille haute. Je me sens moins à l'aise dedans que le Sunshine qui est une taille haute. Là pour le coup vraiment il couvre le nombril et la fourche est plus courte que sur le Sunshine, donc je pense que c'est pour ça que je me sens moins à l'aise, mais ça c'est mon avis personnel. C'est moi, voilà. Je préfère le Sunshine. Franchement, si j'en refais un, je referai donc le Sunshine en taille 44. Parce que là, du coup, je l'ai fait en taille 44 et il me va. Hein, je rentre dedans, je le ferme, tout impeccable. Bon, après, à l'usure, à voir, puisqu'il y a des lastanes dedans aussi, hein, dans celui-là. Très peu, hein, j'en prends toujours très peu. Hein, vous voyez, mais il y en a quand même, donc on va voir à l'usage s'il n'est pas trop grand. Donc il me reste à mettre les passants que j'ai. Alors j'ai surjeté tous les côtés du passant. Hein, on va les plier comme ça et on les pose sur la ceinture. Alors sur le Sunshine, on les prend dans la ceinture du haut, parce que le Sunshine, la ceinture est coupée en deux, que là la ceinture est un seul tenant et du coup ils nous les font venir sur la ceinture et en dessous de la ceinture pour la deuxième partie. Donc je vais faire ça et ensuite mon bord et puis ma boutonnière et puis mon petit bouton et il sera terminé.
Je suis contente d'avoir fait ce jean pour avoir appris des techniques, parce que je trouve que là, franchement, on apprend quand même pas mal de techniques, la technique du jean, vraiment. Je m'en resservirai pour par exemple le sunshine, etc. Parce qu'il y a aussi une rehausse, surtout la couture en cornet, je m'en resservirai. Par contre, je pense que je ne le referai pas. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres modèles. Il y a le régular, mais je voulais faire le régular au départ, mais c'était marqué taille médium. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi le 254, le fuselé, le slim fuselé, mais finalement. Moi, la taille, elle n'est pas encore assez haute. Donc, je pense que je prendrai. Alors, il y a aussi des pantalons pour hommes. Donc, on pourrait peut-être essayer de faire un pantalon pour homme. L'athlétique me tente bien parce que les morphologies, c'est pour des bonne cuisse, avoir de l'aisance aux cuisses. Donc, je pense que celui-là serait pas mal. Et ensuite, il y en a un aussi pour enfants. Donc, j'aimerais bien essayer aussi celui pour enfants. Pourquoi pas? Et il me reste des petits bouts de coupons de mon dernier, là, enfin de celui que j'avais fait, le Peppermint. Il me reste un tout petit bout, donc je pense que ça passerait. Si je regarde un peu, il faut de 70 à 96 cm de toile d'énime. Donc je pense que j'ai à peu près cette mesure dans le coupon qui me reste. Moi, je l'ai trouvé impeccable au niveau des explications et puis du contenu du jean par lui-même. Hein, voilà. Voilà. Donc, mon préféré pour l'instant, c'est le Sunshine, que je vais certainement refaire en 44, mais pas tout de suite, hein, parce que là, ça fait deux jeans coup sur coup. Voilà, et puis j'ai d'autres projets, hein, dans la tête. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous mettre des photos portées, bien sûr, et puis vous me direz un peu la différence que vous avez trouvée avec le Sunshine. Et ceux qui ont fait l'atelier du jean, est-ce qu'ils en sont contents? Est-ce que la taille, c'est peut-être moi, hein, qui n'apprécie pas cette hauteur de taille. Voilà. Parce que je l'ai fait essayer à une amie et puis elle a bien aimé la hauteur de taille. Alors vous voyez, ça dépend vraiment des avis de chacun. Et bien là-dessus, je vais vous quitter, je vais vous dire à bientôt et puis on se retrouve pour d'autres aventures couturesques.